What's up my boys, c'est Shane. Les amis, aujourd'hui on va taper dans l'ego des gens. Est-ce que tu sais pourquoi? On dit que les joueurs PS4 sont plus forts que les joueurs Switch. On dit aussi que les joueurs PC sont plus forts que les joueurs console. Mais pourquoi? Les amis, bienvenue sur mon jeu. En ce moment même, je vous parle avec un jeu qui a seulement 30 FPS. La fluidité que tu vois à l'écran équivaut à une fluidité d'un joueur Switch. Oui, on a un grand défi qui nous attend avec ce mot FPS. Cela veut dire image par seconde. Au plus t'en as, au plus ton jeu est fluide et au plus tu peux être fort. Les joueurs Switch, comme je l'ai dit, en ont maximum 30. Les joueurs PS4 en ont 60. PS5, 120. Certains téléphones peuvent aussi en avoir 120 FPS. Aujourd'hui, je vais tenter de jouer avec 30 FPS, voir ce que ça fait. Et à chaque fois que je ferai un kill, je vais pouvoir augmenter mes FPS jusqu'à atteindre un niveau maximum illimité. Comment faut faire pour avoir plus d'FPS? Ça dépend tout simplement de la puissance de la machine que tu utilises. Regardez en haut à droite, mon jeu est limité à 30 FPS. Je vous parlais de puissance, et bien là, j'ai la même puissance qu'une console Switch. Quand je bouge ma souris, je vois que c'est pas fluide. Alors il va falloir que je spawn sur cette map. Et à chaque fois que je vais faire un kill, je vais augmenter ces FPS-là. Et ça tombe bien parce que dans mon PC, j'ai acheté une nouvelle carte graphique. La carte graphique la plus puissante du marché. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Elle m'a coûté un bras. Ok, moi j'ai mon spawn préféré. Il est là. J'adore cet endroit sur la map. Joueur ici, je vais de rusher celui-là, là. Il a l'air d'être perdu mon gars. Et ça va être mon premier kill, comme ça je vais monter directement en FPS. Là je peux pas tenir. Est-ce qu'il y a des armes ici? Dis-moi, il y a des armes. Ouais. Il y a ça. Il spawn sur moi. Let's go. Un kill, je peux faire aller dans le même paramètre et passer de 30 à 60. Boum, applique. On n'en parle plus. Là, je suis à 60 FPS. Ça équivaut à comme si je jouais sur une PS4 maintenant. C'est deux fois plus fluide et je le ressens déjà. Alors, à ton avis, ils jouent à combien d'FPS les joueurs pro Fortnite? Ils ont de base un très bon PC, mais est-ce que tu sais pourquoi ils doivent avoir un très bon PC? Car au plus ton jeu a d'FPS, au plus tu vois d'images, au plus tu vois d'informations. Hop là, alors. Technique, c'est qu'on va prendre une fois ça, le fiche, hop, hop, mon inventaire est extrêmement bizarre. Les joueurs pro jouent à 240 FPS, exactement à la limite que leurs yeux peuvent voir. Ça sert à rien de plus. Oh, bête, hop, on va prendre ça. Faudrait que je prenne un petit pont pour un bail comme ça, ça serait grave cool. Oh, il y a un joueur là. Regardez, qu'est-ce qu'il fait. Oh my god, j'ai pas d'arme. Donne-moi une arme. Ouais, si tu veux. Mais ça touche. On le termine! Let's go! Oh, il y avait un très bon pompe. Ça va me faire grave plaisir. J'ai envie de capturer son drapeau, mec. Paramètres. Et on va augmenter. Prochain palier, 120 FPS appliqué. 120 FPS, c'est niveau PS5. PlayStation, la grosse nouveauté de leur console, c'est qu'elle avait deux fois plus de FPS que leur ancienne. Il faut savoir que maintenant, les jeux vidéo, ils prennent énormément de puissance. Beaucoup plus qu'avant. Je sais pas si t'as remarqué le chapitre 4 de Fortnite, comme il était extrêmement beau par rapport au chapitre 3, mais FPS était beaucoup plus faible que d'hab. C'est pour ça que je me suis dit, je vais avoir le meilleur PC du monde pour pouvoir vous proposer des vidéos Fortnite avec le plus d'FPS possible et la meilleure qualité possible. Oh, un joueur. Ouais, ça c'est bien pour moi, il est juste là. Ah là, j'ai plus d'FPS mon gars, let's go. On passe à 144 prochain palier. Alors 144 maintenant, ça c'est niveau PC. Quand tu joues sur PC, tu peux jouer à 30 FPS comme 100, comme 240. Ça dépend en fait de la carte graphique que tu vas avoir et aussi de ton écran. Au plus ta carte graphique va être puissante, tu vas pouvoir avoir plus ou moins d'FPS. Au plus ton écran va coûter cher, c'est un peu ça le principe. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé à faire des vidéos, je jouais sur un PC à 60 FPS, un PC portable. Ensuite j'ai acheté mon premier écran où je jouais à 144 FPS, donc exactement comme maintenant. Un joueur juste ici, regardez, on va se mettre dans le bush. Il m'a pas vu, regardez, il vise quelqu'un d'autre. Oh, il y a deux joueurs. Let's go, let's go. Premier kill. Ok, deuxième kill peut-être. Oh, let's go. Ça c'est très beau pour moi. 144, c'est fini. 160 aussi. On passe à 165. Et c'est exactement les FPS que mon écran peut me donner en ce moment. Devant moi j'ai un écran 4K limité à 165 FPS. Tu vas me dire, mais pourquoi t'as pas pris un écran 240 comme les joueurs pro? Parce que ça me sert pas à grand chose, je vais pas te mentir. Surtout qu'un écran 4K à 240 FPS, ça coûte plus qu'un bras. D'ailleurs les amis, seuls ceux qui ont déjà joué avec plus de 100 FPS ont le droit de liker cette vidéo. Trichez pas les joueurs Switch. Après t'as peut-être déjà joué sur un PC ou un écran, du coup tu peux liker. Mais si t'as pas dépassé les 100 FPS, tu n'as pas le droit de liker la vidéo. Oh, y'a un joueur devant moi. Il s'enfuit. Dommage. On n'a pas le temps. Pourquoi tu t'enfuis? Oh, elle est trop forte cette SMG. Elle recharge trop vite. Hop là, on a des clés. On passe à notre 6ème kill. On passe à 180. Alright. J'entendais des shoots là-bas. Ça tire de ouf en nord-est. Non. Un mort. Deux morts. On monte à 240. C'est exactement le nombre d'FPS avec quoi les joueurs pro jouent avec leur PC. Alors pour monter à 240 FPS, regardez en haut à droite, je suis bien à 240 FPS. Mon jeu est toujours en 240 FPS, constant. Ça c'est grâce à la carte graphique que j'ai achetée. La carte graphique que j'ai les amis, c'est une carte graphique qui m'a coûté 1800 €. Là où ça se fight, j'ai envie d'y aller. Ouais, ça se fight juste là, regardez. Un mort. Les cracks.
Il va prendre la faille. Il l'a pas prise. On augmente de 2. Top 18 kills. Oh, y'a un mec sur le toit. Vous avez vu? Ok, il va me tirer dessus. On s'enfuit. On va tenter d'aller dans le temple. Parce que dans le temple, je sais qu'on peut avoir des katanas qui vont pouvoir me permettre de changer ce que j'ai parce qu'il a bientôt plus d'utilisation. Nice. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, est-ce que ça a été looté? Sinon, je peux directement en prendre un nouveau aussi. C'est pas mal aussi. Hop là, il est tout neuf. Oh yes. Il est quelle couleur? Ah, il est bleu. Vas-y, je le prends quand même, c'est pas grave. D'utilisation, c'est quand même pas mal. Oh, samouraï! As-tu vu ma dernière vidéo sur la nourriture du Japon? Les gars, je voulais vous remercier pour tous ceux qui regardent mes vidéos sur ma chaîne principale. On a fait une dégustation de bonbons japonais avec Dany. C'était incroyable. Regardez le joueur, il est juste là. Il va prendre le pad. Oh, si j'arrive à lui mettre les balles. Ouh, comment c'est serré. Dommage, j'ai pas d'AR1. Sinon, les gars, je vous le dis, il serait mort. J'ai qu'une SMG, je sais pas en vrai si c'est chaud. Bien joué. Oh non. Non, je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Malheureusement, je suis mort. On va devoir descendre mes FPS à 200. Putain, les gars, je veux vous montrer ce que ça fait d'en avoir en illimité. Je suis un noobs, voilà, je vous le dis, je suis un noobs. Toi, là, t'es mort. Tu prends les armes Star Wars. Regarde, il ouvre le coffre. Regarde, je lui ouvre le coffre. Je prends les armes. Je prends le train. Ok. Ok, j'ai les armes. Chut. Et ça, tu veux les armes? Hop là, je repasse à 240. À ton avis, si je passe mon illimité, mon PC va mettre combien d'FPS? Je sais même pas en vrai. Parce que moi, je joue toujours à 165 en fait. Le maximum pour mon écran. Là-bas. Un mort. Paramètre. 360. Ok, alors 360, c'est énorme. Et regardez mon PC. Il les tient, les 360 FPS. Il y a un joueur juste là. Je sais pas ce qu'il fait. Il est avec un sabre laser. C'est très dur de le toucher. Il est derrière un bush, malheureusement. Il est en train de faire des petits sauts et tout. Là, il y a moi, je touche. 30. Il est en train de parer toutes mes balles. Ah ouais, tu pars ça peut-être. Il est où les gars? Non, il s'est caché, j'ai le seum. Oh, il s'est caché. Plus qu'un kill et je peux monter à FPS illimité les gars. Il est là-bas, il est là-bas. Ok, ok. Ok, let's go. Je l'ai mis crack. Let's go! Yes, t'es vu, regardez. Il a bien le sabre laser. Il a même une SMG meilleure. J'ai pas envie de changer mes FPS maintenant parce que frérot, je suis tellement à découvert. On va tenter de changer de place. Hop là, et là, échappe. On a FPS illimité sur le jeu. Le dernier palier. Oh punaise. Regardez les FPS. Est-ce que vous avez déjà vu autant d'FPS? 600 FPS! Alors là, mon œil ne voit pas de différence. Mais là, c'est très compliqué d'avoir un jeu plus fluide que ça. On va prendre la meilleure SMG. Regardez mon stuff. En vrai, il manque plus qu'une AK, je dirais. Et encore, on est top 21. En fait, j'ai l'impression que tout ce que je fais est extrêmement précis. C'est trop fluide pour être vrai. Il y a un joueur là-bas, regardez. 30. Trop, trop, trop précis. Trop, 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 trop précis. Il y a un joueur là-bas. Il a combien de vie? Mec, c'est pas un joueur, c'est un boss. Mec, il a combien de vie son boss, frère? Tu veux moi, genre. Qu'est-ce qu'il fait? Mec, trop précis. Là, j'ai tué le joueur et du coup, son bot qu'il a pris, il meurt instant. J'ai eu tellement de balles, frère. Il y a un joueur, il y a un joueur. Est-ce qu'il m'a pas vu? Et yes! Il a l'arme que je voulais! Waouh! Est-ce que ça mérite pas un petit abonnement d'erreur? On a bien tryhard le stuff là. Je pense pas, il y a mieux. 32. Trop précieux. 7 kills. Top 9. FPS illimité. Très mauvais pour lui ce qu'il fait. Très mauvais. On va le cuter! Wouah, l'a cuté! Mais mec, c'est trop chaud! Let's go, c'est bien joué. Il va pas jouer comme ça. Let's go. Mais non, il a joué sabre laser, les amis. C'était directement gagné pour nous, ça se fight. Faut que j'aille voir. Où ça, où ça, où ça? Où ça, je vois personne. Du stuff. Peut-être juste en dessous, les amis. Ok, je le vois, il nage. Il va sortir juste ici. Ouais, il est là. C'est touché. Et c'est mort, top 2. Top 2, 10 kills. On va vite dans la zone. J'espère qu'il y est pas, les amis. Technique, ne pas utiliser ces 3 katanas. Au cas où, tu vois, toujours avoir une réserve pour pouvoir s'enfuir. Il y a un bush là-bas, il faut que je fasse très attention. Peut-être dans ce bush. Il n'est pas dans ce bush. Ah, si ça se termine par un top 1, ça serait incroyable. Oh, la zone est à Anvil Square, punaise, je suis vraiment à l'opposé, les amis. Il est là. Les amis, je crois que c'est une win. Vous voulez qu'on le termine comment? Moi je sais comment on va le terminer. Tu veux savoir comment c'est d'FPS?
J'en ai 1 million des FPS. Let's go les gars. J'espère que t'auras appris des choses sur comment c'est important ces images par seconde. Ça change tout. Abonne-toi à ma chaîne si t'es nouveau, tu pourras toujours changer d'avis beau gosse. Et surtout geek comme un porc. C'était une chaîne. Clique juste ici si tu veux voir une autre vidéo masterclass. Ciao bye. Zimmer.